Parlons à présent d'une cérémonie de ralliement de militants de l'UNDER du département de Mont-Ili qui ont regagné le rang du MPS. Cérémonie présidée par le directeur général du protocole d'État à la présidence de la République, Alamaï Alina, Jean-Philippe Odinakachi. Cinq ans dans l'opposition démocratique, la population de la sous-préfecture de Wolom-Gamé, dans le département de Mont-Ili, est et vit dans un firmament d'illusions. Aujourd'hui, c'est le déclic total. Nous avons milité pendant 25 ans à l'UNDER avec détermination et tous les sacrifices consentis. Or, nous avons perdu tout notre temps dans un parti qui n'a point d'avenir pour lui-même. Et moins encore pour ces militants. Devant l'ampleur des défis qui se dressent sur le chantier du progrès socio-économique, ce ralliement est un choix de cœur et de la raison grâce au conseil de l'ambassadeur Alamaï Alina, directeur général du protocole d'État. Pendant 25 ans, on a voté massivement pour le UNDER et les politiciens qui passent, ils viennent, ils nous manquent, qu'ils vont nous faire ceci, qu'ils vont nous faire cela. Et jusqu'à 25 ans, on n'a même pas vu le fruit de UNDER. Nous, les femmes aussi, on a pensé qu'on est entré dans le grand trou, le lieu sombre, qu'on ne peut jamais s'en sortir. Dans la culture Moussey et Topokhi, le conseil du comité des sages est une bénédiction pour une bonne orientation dans la communauté. Il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas tenu à leur propos. Et c'est pourquoi nous avons regagné le MPS. Qui pourra faire mieux pour nous dans le domaine de santé, dans le domaine de la route, dans le domaine de l'école, dans le domaine de l'eau. À présent, cette population sort de l'obscurité pour regagner la lumière du développement et de l'émergence. Vision stratégique pour un Tchad fort, prospère et solidaire. Les membres du bureau exécutif du RGMPS du Bourg ont été installés par le secrétaire général régional du MPS, Mamadou Souleymane. Le nouveau bureau exécutif régional du RGMPS de la région de Borkou a été officiellement installé. Bureau composé de 41 membres et dirigé par Adam Anour. Les membres du bureau exécutif ont saisi l'occasion pour adresser une motion spéciale de soutien au président de la République. Le secrétaire exécutif régional du RGMPS, Adam Anour, a remercié les membres pour avoir porté le choix sur sa modeste personne. Le secrétaire général régional du MPS de la dite région, Abdallah Djamil, a pour sa part invité les jeunes à s'impliquer davantage pour mener à bien les activités du parti. Il a saisi l'opportunité pour relever les efforts consentis par le chef de l'État Idriss Déby Itno en faveur de la jeunesse tchadienne.